J'arrive. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ici sur le plateau des chiffres et des lettres. On va jouer, on va bien jouer aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir un accueil chaleureux à Nicole qui a réussi à battre Florian qui avait de grandes ambitions, qui envisageait les 10 victoires. Vous l'avez contrarié, Florian? Ah oui, je crois, oui. Bon pas match. Gentil, moi. Bon match. Très bon niveau en lettres. Oui, on connaissait le niveau de Nicole, bien sûr. On connaissait, mais on le redécouvre et on a apprécié également. Tout va bien? Ça va. La finale s'est plutôt bien passée. Oui, je pensais pas faire aussi bien. 500 euros, ouais. C'est beaucoup, hein, pour une première fois, oui. C'est déjà dans les... C'est pas évident, au score. Oh non. Oui. 5 mots ont été trouvés sur les 8. Face à vous, on a le plaisir d'accueillir pour la première fois ici sur ce plateau en exclusivité mondiale, mesdames, messieurs, Ossine. Bonjour Ossine. Bonjour. Et j'en connais un qui, de l'autre côté de la Méditerranée, doit se dire « Ossine, c'est Abderrahman, c'est votre papa ». Oui, très exactement. Et il regarde l'émission et il ne sait pas que je vais participer. Il ne sait pas du tout. Ah, il ne sait pas du tout. C'est une surprise totale. Et il est où, votre papa? À Alger. À Alger, d'accord. Alger, même. Donc, étudiant, voilà. Ici, en France? Oui, en France, oui. À Marne-la-Vallée. Oui. Dans quel secteur? Oui, c'est en... tout ce qui est électronique et télécommunication. Et télécommunication. Oui. Bon, vous adorez notre jeu, vous le regardez depuis longtemps, hein, grâce à mon père, bien sûr, surtout quand j'étais petit. Maintenant, j'ai grandi un peu, ça, on n'a plus le temps, et vous voyez. Non, mais, ne dites pas ça au signe, parce que si vous êtes là, c'est que les sélections ont été bonnes, oui. Et que vous avez le niveau. Vous allez jouer un sésame, vous jouez à la rapidité pour ouvrir ce match, et c'est un sésame de chiffres pour Nicole et Ossine. C'est parti. Ah oui. On se met, non ? Mettez-vous au buzzer. Ouais. Il a oublié de vous le dire. Voilà. 3, 75, 4, 1, 8 et 10 pour trouver 962. Ossine. Alors, 10 plus 3, 13. Oui. 13 fois 75, 975. Oui. Alors, 4 plus 8, 12. Oui. 12 plus 1, 13. 975 moins 13. Bravo. 972. Vous avez du sésame. Ah oui. Bien vu. Vous pouvez rejoindre votre tablette, Ossine. Nicole aussi, même direction. Vous êtes en place. Les compteurs sont à zéro. Première manche. Nouveau venu, Ossine, c'est à vous de choisir. Combien de voyelles, s'il vous plaît? 4 voyelles, s'il vous plaît. Le tirage. A, A, R, B, R, D, Z, E, V et U. Ossine. 6 lettres. Combien du côté de Nicole? Mieux. 8. Avec ravaudé. Oui, raccommoder un autre. Non. Bavarder. Ah oui. Et bazarder. Non, je pense à ravauder, raccommoder, c'est un mot aujourd'hui d'un autre temps, quoi. C'est vrai. Non, mais... Non, oui, mais on le rencontre dans des textes... Oui, bien sûr, voilà, bien sûr. Oui. Non, non, je parlais... Ça se fait encore. Ça se fait encore, ça se fait encore, hein. Il y a des couturiers qui le font, oui, peut-être, oui, plus que... Oui, oui, il y a plein de retoucheurs. Oui. D'accord. Oui, oui, non, mais de raccommoder. Enfin, bref, on ne va pas ouvrir le débat là-dessus. Non. Les points, c'est pour vous, et ça, c'est important pour vous, Nicole. Vous marquez seul 8 points. Voici un coup de chiffre. 10, 6, 25, 7, 2 et 1. 910.
Vous l'avez ce 910, Ossine ? Oui, le compte est bon. Nicole ? Le compte est bon. Allez-y, Ossine. Alors, 7 moins 1, 6. 6 fois 6, 36. 36 fois 25, 900. Et 900 plus 10, 910. C'est ce qu'avait fait Nicole. Pourtant, il y avait d'autres versions, mais très bien. Très bien, tous les deux. Pas de souci. Ça y est, c'est parti pour Ossine avec 10 points. Nicole, sur ce tirage de lettres, combien de voyelles souhaitez-vous ? 4. Tirage. E, J, R, E, V, E, T, C, D, O. Oui, j'avais un doute aussi. Mais Nicole, combien ? 7. Ossine ? 7 aussi. En 7, Nicole ? Décrété. Mm-hmm. Oui, absolument, Ossine. Je vais tenter rejeter. Dommage, vous auriez mis le R à la fin. Éjecté, c'était bon. Mais là, rejecté ou... Non. Ou peut-être rééjecté, mais non. Juste une question. Oui. Le n'était pas disponible, mais rééjecté. C'est... Non, non. Non, enfin, non. Ça existe peut-être dans... D'accord, mais effectivement, il suffisait de mettre à l'infinitif éjecté, et ça aurait été accepté, ça aurait fait 7 lettres. On ne retient que la proposition de Nicole. Il y avait mieux ou pas ? Non. Ou c'était ça le mieux ? Non, c'était 7, le maximum 7, hein. Décoré, des côtés, etc. Mais uniquement 7. Ouais. C'était une bonne question de ma part. Très bonne, tout à fait pertinente. Comme d'habitude. Je ne vous force pas du tout à répondre ceci. Pas du tout. Mais ça n'existe pas. Non, rééjecté. Merci Bertrand. À coup de chiffres. 9, 10, 3, 6, 2 et 10. 590. Nicole ? Le compte est bon. Ossine ? Le compte est bon aussi. Allez-y, Nicole. 9 fois 6, 54. 10 divisé par 2, 5. 54 plus 5, 59 fois 10. Voilà, une version un peu différente pour Ossine. Tout va bien en chiffres, très bien. 35 à 20, c'est le score entre Nicole et Ossine. Ah, j'aime bien parler des collections. Mais des candidats collectionneurs. Vous avez une collection de quoi, Ossine ? Ça va paraître un peu bizarre, mais j'ai une collection de canettes. Mais des canettes à boire ? Des canettes à boire, tout simplement. En métal, c'est ça ? En métal, oui, en aluminium. En métal ? Oui. Combien ? Il y en a dans les 200, 300. Ah oui, quand même. C'est elles sont pleines ou vides ? Non, elles sont vides. Je les vide quand même, il faut les vider. Et différentes, toutes différentes. Différentes, oui, c'est selon le format. Il y en a certaines qui sont plus longues que d'autres et... Vous voyez. D'accord, vous pouvez avoir comme les petites babouchkas, vous pouvez avoir toute la série de la grande à la petite. Voilà. La même moisson. Ah, ça doit être. Ça prend un peu de place, ça, comme collection. Ça prend beaucoup de place, effectivement, oui. Voilà. Moins pratique que le timbre-poste. On y va avec les lettres et Ossine qui choisit. Trois voyelles. Trois voyelles. S'il vous plaît. S, E, S, M, U, C, D, O, C, S. Ossine. 6 lettres. Combien, Nicole ? 6 aussi. En 6, Ossine ? Soudé. Un autre pour Nicole. 12.
Oui, il y avait succès ou d'autres mots. Et sept lettres ont culminé encore à sept, hein, quand même. Cossu, dessous, mousse, par exemple. Les escudos, oui, ça ne nous rajeunit escudos. Pas. La monnaie du Portugal avant l'euro. Oui, bien sûr. Ouais, absolument. Bon, ça joue bien du côté d'Ossine et de Nicole. Oui, très bien. Point supplémentaire. Clair, vous êtes en tête, Nicole, pour le moment. 41 à 26. On reste bien dans le match, Ossine, et on enchaîne avec un coup de chiffre. Le voici. 6, 3, 2, 5, 3 et 4. C'est petit. Oh, c'est gros. 938. Ah. 938, où en êtes-vous, s'il vous plaît, Ossine ? 936. Non, je crois pas, non. Non, vous ne l'avez pas entré, c'est dommage. Il manquait quelques... Oui, il manquait une petite seconde. Nicole ? Oh non, je suis loin, 723. Donc, ouais, oui, qu'on fait, 723, vous êtes, bah, 723 vous êtes, Nicole est à plus de 100, donc elle ne marque pas. Et Ossine ne marque pas non plus, parce qu'effectivement, il y a 72. Et c'est dommage. Il vous a manqué une seconde et vous marquez le jackpot, 10 points, parce qu'effectivement, on est à deux près. Oui. Il s'est affiché sur votre écran ? Oui, oui, ça, il s'est affiché, 936. Ah. Ah. J'aurais pu me rapprocher, moi, si j'avais le droit de m'approcher, Dossine, mais on respecte la distanciation sociale. C'est ça. Vous voulez que j'aille voir de loin ? Oh, oui, quand même. Je vais voir de loin. Écartez-vous un tout petit peu, Dossine, s'il vous plaît. Oui, parce que je l'ai, effectivement. Ah, j'ai 936, oui, je l'ai, d'affiché. Bon, alors donc, on marque verdict. Les... Voilà, verdict, 10 les points. Bah oui, 10 points, car c'était le maximum possible. 10 points. Les hautes autorités à l'affichage des scores ont appliqué votre consigne et votre décision, Bertrand ? Ben, si c'était entré, vous l'avez vérifié. Oui, c'est vérifié, entré, je vous le confirme. Donc, il n'y a pas de problème. Non. Oui. Très bien. Merci beaucoup, ô juge suprême, Bertrand Renard. On est dans Tintin et le temple du soleil, exactement. Là, franchement. 41, 36, ça se resserre. Donc, il y a 5 points de différence. Un coup de lettre, Nicole. 4 voyelles. Tirage. E, A, U, R, B, D, F, O, S et T. Nicole. J'ai tenté 9. Vous tentez 9, et vous, Ossine ? 7. En 9, Nicole. Beaufort. Mais oui. Mais oui. Des Beauforts, les fromages. Et c'était le seul. Donc, combien ? 11. Elle compte bien. On parle des fromages, on ne parle pas de l'échelle ? Pas toujours. Non, parce que l'échelle, ça doit être un nom... C'est un nom propre. D'accord. Très bien. On referme la parenthèse. Les points supplémentaires et un peu plus de distance maintenant pour Nicole. Dernier coup de chiffre pour cette première manche, en tout cas. Regarde. 25, 8, 9, 4, 5 et 9. 749. Nicole. 751. Combien du côté d'Ossine ? 746. Allez-y. Non, pardon, c'est Nicole. Pardon. Qu'est-ce que je raconte ? C'est Nicole, allez-y. Nicole. Alors, 4 x 25, 100, moins 5, 95, x 8, 760,
Moins 9, 751. Vous ouais. marquerez 7 points. Il y était, mais alors, c'est du Renardo. Hein. 25 plus 4, 29. 9 plus 9, 18 plus 8, 26. 29 fois 26, 754. Et il y avait un 5 qui traînait. Ça tombait bien. Oui, ça tombait bien. Nicole, compte approchant pour vous à deux près. Et donc, les 7 points que vous inscrivez. Bon, Nicole, là, sur cette fin, la fin de cette première manche a pris un peu plus d'avance. Le score est de 59 à 36. Cela dit, ça reste tout à fait jouable pour vous aussi. C'est parti, deuxième manche. Voilà, nos candidats ont rejoint les buzzers. Notez que nous respectons toujours les distances hein, entre nous. Hein. Ariel et Bertrand, ça va. C'est on bon. Refait distance, oui. Armez les toboggans. Vous êtes pas vrai. Voilà, puis bien sûr, les buzzers, vous avez la main dessus et ils sont désinfectés hein, entre chaque émission. Absolument. Seul le présentateur n'a pas été nettoyé. Voici une première, mais personne ne le touche en même temps. Voici une première proposition. Clermont-Thomassin, on a beaucoup de téléspectateurs du Québec. Oui. Qui nous envoie des duels. Et donc, Clermont-Thomassin est de la ville de Québec, justement, la belle ville de Québec. Et bien, ça tombe bien parce qu'il vous demande de trouver deux autochtones du Canada. Autochtones. Justement. Autochtones. Autochtones. Le tirage. Je suis de Marseille. I-U-I-T-H-U-R-N-N-O. Ils sont connus pourtant. Inuit et Huron, non ? Ben oui, Inuit et Huron. Non, j'ai pas osé. Ben si. Alors, c'est vrai que moi, j'ai découvert avec grande stupeur, parce que je m'imaginais Inuit, Esquimaux, je les voyais oui, au Groenland. Aussi, c'est pour ça que ben, oui. Ah. Eh ben, figurez-vous qu'il y a 50 000 Inuits au Groenland, il y en a 65 000 au Canada. C'est le premier endroit où il y a justement les Inuits. Alors, évidemment, ils ne sont pas à Québec, ils sont tout là-haut, dans les territoires du Nord-Ouest en particulier, le Nunavut. Ça jouxte justement le Groenland. Donc oui, première nation à porter des Inuits. Et alors ça, c'est une jeune fille habillée en huronne. Les Hurons, alors ils ont presque disparu, hein. Il y en a 3000, ça nous ramène au début de la conquête du Canada, soit par les Français, soit par les Anglais. Les Hurons étaient très proches des Français et les Iroquois étaient contre les Anglais. On les voit dans l'Ingénu, hein. C'est un Huron qui est dans l'Ingénu de Voltaire, 18e siècle, et aussi dans le dernier des Mohicans, c'est un Huron, justement. Ouais. Donc maintenant, ils sont 3000, un peu dispersés, beaucoup du côté de Québec, justement, où vit Clermont-Thomassin. Le Huron est toujours de bonne compagnie. On parle du gay Huron, hein, forcément. Oui. Merci beaucoup. Pas ça, de point attribué. Oui, il va falloir vous nettoyer. C'est hein. Cadeau. Ça. Voici un deuxième duel. C'est de l'orthographe. Francis Caliège, Leure-et-Loire Chouine, Jean-Claude Honnaert, Yvette Vermorel ont envoyé le mot lymphocyte. Nicole. L-Y-M-P-H-O-C-Y-T-E. Mais bien sûr, il y a deux Y. Oui. Absolument. Alors, c'est normal parce qu'on retrouve lympho, l'eau, un mot grec qui désigne l'eau, et cyte, que vous retrouvez dans cytoplasme, ovocyte, dans beaucoup de mots, termes de médecine, d'anatomie. Donc voilà, un lymphocyte, c'est un globule blanc, un leucocyte, c'est YTE, qui se trouve dans la lymphe, dans la moelle osseuse et dans le sang. Et ça joue un très grand rôle dans l'immunité, bien sûr. Le piège se trouvait là, hein, oui. Dans le deux nombre y, de Y. Ne pas hésiter. Ça pouvait être CI. Oui, oui c'est aussi. Vrai. Ouais. Ouais. Vous seriez tombé dans ce piège ou pas? Vous auriez oui, je serais tombé sur ce piège. J'allais proposer avec un I, donc c'était pas ça. Avec un I bon. Non. Allez, les points donc pour Nicole. Voici maintenant le troisième duel, celui de calcul mental. Il nous vient de la Manche, de Donjean. C'est Julien Burnouf qui nous envoie les opérations suivantes. 74 x 6 moins 28 divisé par 4 plus 58 divisé par 6.
Ah. Non. On en a eu de plus dur pourtant. Alors 75 fois 6, ça fait 450, donc 74 fois 6, 444, moins 28, 416. Divisé par 4, ce n'était pas trop dur, 104, plus 58, 162. Comment fait-on? On sait que 150 divisé par 6, ça fait 25, on l'a souvent. Donc là, 162 divisé par 6. Ah ouais, il y a 2 de plus. Ouais. C'est 27. Ouais. J'étais à la dernière. C'est la dernière opération, vous en étiez là? Oui, oui. Bon. Voilà. Dommage, manque de temps. Donc, du côté d'Ossine pour trouver ce duel de calcul mental. Pas de points attribués. Peut-être 10 points supplémentaires pour l'un des deux candidats sur le quatrième et dernier duel. C'est le l'un dans l'autre, Ariel. Oui, il vient de Jean-Pierre Gérardin, qui habite Gers-sur-Mer en Vendée. Il vous demande de trouver pour le nom propre un roi aux oreilles d'âne. Et pour le nom commun, accompagne le café, le tirage. S-G-D-I-M-A-R-I-N-E. Qu'est-ce qui vous manque? Avec la mignardise, le café. La mignardise accompagne le café. Ah, moi, je pense à la goutte. Et le roi Midas. Le roi Midas qui est à l'origine du nom du fleuve Pactole et du mot Pactole. Mais là, ses oreilles d'âne viennent d'Apollon parce qu'il y avait une querelle entre Pan et Apollon. On lui a demandé, comme il était élève d'Orphée, d'arbitrer entre les deux. Hein, et ça lui a porté malheur parce qu'il a choisi Pan et Apollon lui a fait porter des oreilles d'âne puisqu'il n'entendait pas bien. Et donc, seul son coiffeur le savait. Et c'était un secret que les roseaux connaissaient, parce que le coiffeur l'a dit aux roseaux. Il n'a pas eu de peau, Midas. Fin de ce match entre Nicole et Ossine. Voici ce score de 69 à 36. Deuxième victoire pour vous, Nicole. Bravo. Ossine, on vous offre une deuxième chance. Vous revenez quand vous le souhaitez. Ah oui, on est comme ça, nous. Et puis c'est le cadeau. Le Robert vous offre Porter sa voix de Stéphane de Freitas, son dictionnaire historique et la collection des usuels pour explorer les richesses de la langue française. De grains de café fraîchement moulus vient le plaisir de la dégustation d'un café expresso. Le plaisir d'un expresso toujours parfait avec l'expresso broyeur de Longhi. Et avant de se quitter, Ossine, un bonjour à votre papa, c'est le moment. Oui, bien sûr. Oui. J'aimerais remercier mon papa qui va regarder cette émission très bientôt. Ouais. Et toute ma famille, quelques amis. L'un, il s'appelle Youssef et l'autre, il s'appelle Kelassi. Ouais. Et puis c'est tout, je pense. Hein. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Ossine. On se retrouve dans un instant avec Nicole au centre du plateau pour les mots de la fin. Tout de suite. Municipal 2020. France 3 vous propose de vivre les débats au plus près de chez vous. France 3 mobilise toutes ses rédactions sur tous ses territoires et vous offre plus de 200 débats pour mieux comprendre les enjeux du second tour et tout savoir de ce qui se joue chez vous. Tout sera décrypté, analysé du 15 au 25 juin en direct dans votre région. Citoyens et candidats pourront débattre des sujets qui les touchent dans leur vie d'aujourd'hui et de demain. Du lundi au vendredi dès 18h, Municipal 2020. Qui mieux que France 3 pour parler de vous et de nos territoires? Les mots de la fin, 2 minutes pour vous, Nicole. Premier tirage pour trouver un 7 lettres. Top! Passe. 8 lettres. Chapelle. Oui, 100 euros. 9 lettres. Focaliser. 200 euros. 10 lettres. Révocation. 300 euros. 1/30, 7 lettres. Je passe. 8 lettres. Passe.
9 lettres. Non, je passe. 10 lettres, 1 minute. On passe. Allez, on revient au début. 7 lettres. Tailly. Tailly, oui, 400 euros. 7 lettres. Je passe. 8 lettres. 20 secondes. Non, j'allais dire motricité, c'est pas ça. Je passe. Vous passez. 10 secondes, 9 lettres. Non ? Non. Non, 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 pas, non, non. Rien. 400 euros supplémentaires, montant de vos gains, 900 euros. Les quatre mots qui manquaient à Ariel. Veuvage, maritime, clocharde et athlétique. Ah, d'accord. Eh oui. Bon, il y a eu la moitié du chemin de fait, c'est bien. C'est bien. Deux victoires à votre palmarès et un troisième match à venir pour Nicole. Ce sera la prochaine fois sur France 3. Au revoir à tous, merci.